Hey, salut les potos, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet très très cool. Bon, vous vous souvenez de ça? Et de ça? Oui, la PS1 avec Metal Gear Solid. Pourquoi je vous parle de ceci? Eh ben, en fait, il y a un nouveau secret qui vient de sortir sur ce jeu. Je vais vous expliquer ça tout de suite, juste après. C'est parti, on y va, let's go! Voilà, Metal Gear Solid. Voilà, pourquoi je vous parle de ce jeu? Parce qu'en fait, dans ce jeu, il y a un boss que vous devez battre, c'était Psycho Mantis. Est-ce que vous vous en souvenez, les amis? C'était en 1998. Ouais, 1998, c'est ça. Bordel, j'avais 17 ans à cette époque-là, en 1998. Waouh, ça fait un coup de vieux, les amis. Voilà, bon, revenons à Metal Gear. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Metal Gear? Voilà. Donc, ça a été rapporté ce 26 décembre, voilà, donc cette année, oui, par Armory La Guerre. Voilà, entre parenthèses, Sodako. Donc, dans la catégorie des jeux vidéo de légende, un peu sans aucun doute, de tout premier Metal Gear sorti en 1998 sur PlayStation, de son intro mythique à son gameplay, qui était vraiment poussé à l'époque. Oui, vous vous rappelez de la filtration par-ci, par-là, etc. Franchement, ce jeu, c'était une légende. Mais MGS a longtemps été inégalé. Vous vous souvenez du combat de boss ingénieux contre Psycho Mantis? Nous venons donc de découvrir que ce boss pouvait être battu. Si vous vous rappelez bien, pour le battre, il fallait mettre la manette dans le port 2. Voilà. J'espère. Jusque-là, vous me suivez, tout est bon. Mais en fait, il y a un nouveau secret qui a été dévoilé. Là, juste récemment, on n'était pas obligé de battre en mettant la manette dans le contrôleur 2. Oui, les amis, c'est pas un fake. Je vais vous faire voir la preuve juste après. Mais, alors, qu'est-ce qu'ils disent? Comme vous pourrez le découvrir dans la vidéo ci-dessous, il fallait en effet le laisser mourir une première fois, puis contacter Campbell. Vous vous rappelez Campbell quand il fallait le contacter dans le truc? Voilà. Ensuite, il faut contacter Campbell plusieurs fois. Et en rentrant votre chance à ce moment-là. Campbell vous explique alors, au bout de plusieurs minutes, au milieu de plusieurs appels, que vous pouvez provoquer des dommages physiques à Psycho Mantis sans changer de port de manette. C'est sérieux, les amis. Simplement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tirer dans les deux statues, à l'effigie de Psycho Mantis. C'était tout simplement ça, les amis. Tout simplement. Et ce que je vais vous faire voir, c'est pas un fake. Voilà. Après, vous pouvez essayer de le faire pour voir si c'est vrai ou pas. Je vais, de toute façon, j'allais bientôt refaire le jeu. Je vais essayer cette version, voir si c'est bon ou pas. Mais en tout cas, ça serait monumental. Franchement, ce jeu déjà avait à l'époque une révolution. C'était de battre ce boss avec la manette port 2. Et là, pas obligé. Et bah franchement, c'est cool. Allez, je vous laisse. Place aux images, vous êtes prêts? On y va? C'est parti? Go! Voilà les amis, nous sommes arrivés au boss de Psycho Mantis, comme vous voyez. Et franchement, bah là vous tournez en rond, comme vous voyez. Vous appelez Campbell. Voilà, c'est un petit peu en verso accéléré, les amis. Et voilà, elle explique que vous devez le tuer.
Il faut deux. Alors déjà là il fait mourir une première fois avant. Voilà. Il se laisse mourir une première fois. Il recommence. Il recontacte Campbell. Tu n'as pas besoin d'utiliser le contrôleur 2. Donc là, il marque qu'il faut tirer sur les statues. Et en fait, ça, c'est la réplique de Psycho Mantis, les statues, c'est tout simplement ça. Et en fait, voilà, ça enlève les pouvoirs de Psycho Mantis. Tout simplement. Regardez. Voilà, il s'est fait toucher par le fauteuil. Regardez, les statues sont détruites, les amis. Vous avez vu? Il détruit la deuxième. Voilà. Et regardez bien. Je vais faire pause à ce moment-là. Vous avez vu? Psycho Mantis a été touché. Voilà. Regardez, la barre de vie de Psycho Mantis a baissé. Donc, Psycho Mantis a bien été touché. Voilà, tout simplement. C'est incroyable, hein. Voilà, bah franchement, c'est tip top. Et alors je vais vous la remettre au début pour le plaisir. Franchement, c'est génialissime comme secret. Parce qu'on la connaissait pas. Et c'est tout simplement magnifique. Alors, qu'est-ce que vous pensez, les amis, de ce petit secret? Voilà. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Surtout à vous abonner. Parce que j'ai tombé dessus par hasard. Hein. Je n'étais pas au courant du tout. Donc, ceux qui le savaient, dites-le moi dans les commentaires. Ceux qui ne le savaient pas, dites-le moi aussi. Voilà quoi. En tout cas, découvrir ce genre de légende du jeu vidéo, ce petit secret 23 ans plus tard, et ben c'est plutôt génial. Voilà. Car je vous rapporte que le secret date du 26 décembre 2022. Voilà, à 11h35 précisément. Alors franchement, c'est tip top. Hein. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre le like et à mettre des commentaires sous la vidéo. Voilà, je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.